j'ai vu ça, mais j'ai compris les enjeux, les problématiques de telle ou telle destination, tel ou tel pays. Par ailleurs, aujourd'hui, nous quittons donc l'Italie stricto sensu pour aller en Sicile et découvrir l'histoire de la cathédrale de Monreale, qui illustre la gloire d'un royaume normand. Les Normands sont inattendus sur cette terre-là. Les Normands, on les connaît, ils ont défrayé la chronique au temps carolingien. Ils finissent par se fixer dans le royaume des Francs grâce au traité de Saint-Clair-sur-Epte et se taillent une part de lion, si j'ose dire. Mais pour certains, c'est pas assez. La coutume normande est très inégalitaire. Et puis, il y a des petits seigneurs qui vont chercher fortune, qui vont s'engager comme mercenaires. C'est le cas des Hauteville, petits seigneurs du Cotentin, et l'un de ces hautes villes, Robert Guiscard, faisant attention. Donc, ce Robert Guiscard va donc créer un royaume. Charlotte, je vous en prie, je vous laisse nous conter cette aventure, cette riche aventure. Oui, bonjour Martin, bonjour à tous. Bah, écoutez, très heureuse de vous retrouver et effectivement de continuer nos pérégrinations, tant dans l'espace que dans le temps, puisque nous franchissons allègrement les siècles pour arriver donc jusqu'au XIIe siècle avec cette cathédrale et en même temps monastère de Monreale. Alors Monreale, ça veut dire le Mont Royal et il porte bien son nom, de l'ampleur du bâtiment hein, qui est installé. C'est un site qui se trouve à quelques kilomètres, 7-8 kilomètres, pas plus, au sud-ouest de Palerme, donc sur le nord, hein, sur la côte nord de la Sicile, qui appartenait donc aux domaines royaux de cette dynastie normande dont je vais vous parler dans quelques instants. Ce monastère, cette église, sont quand même les représentants les plus extraordinaires d'une magnificence artistique qui s'est développée hein, sous cette dynastie fastueuse qui a proposé, qui a inclus un certain nombre de rois qui étaient amoureux des arts, qui étaient férus hein, de culture, épris de toutes sortes de diversités intellectuelles et culturelles, et qui ont, grâce à ça, laissé un patrimoine absolument exceptionnel en Sicile, plus encore qu'en Italie du Sud. Et donc, ce fameux Monreale est quand même un des exemples les plus intéressants qui soient. Alors, cette église et ce monastère ont été construits par le roi Guillaume II le Bon. Guillaume II le Bon règne qui orne les murs hein, de la basilique de Monreale et qui vous montre tout de suite à quel niveau artistique on se situe, mais à quel niveau aussi en termes politiques, hein, ce roi est couronné directement par Dieu, ce qui prouve comment dire, la façon dont il se positionnait lui-même dans la hiérarchie terrestre, puisqu'il se rapproche très nettement hein, donc du Seigneur dont il a la protection directe. Guillaume II, voulant remercier aussi ce Seigneur et la Vierge, va donc décider la construction de cette cathédrale à partir de 1176. Et là encore, une mosaïque nous montre donc le roi, regardez, agenouillé à droite, avec un morceau de tissu sur les mains. Ça, c'est quelque chose qui est un signe de respect depuis la plus haute antiquité et que le monde chrétien a repris par la suite. Donc, il s'agenouille en plein respect et il offre un bâtiment qui est censé représenter cette cathédrale de Monreale à la Vierge, qui la reçoit d'ailleurs avec beaucoup de grâce. Alors, l'église est très, très importante hein, pour ce roi Guillaume II et va montrer là encore où se situe ce bâtiment hein, dans la hiérarchie, je dirais, des constructions voulues par les Normands. Elle est achevée beaucoup plus tardivement, mais pour Guillaume II, c'est certes un don à Dieu, puisque celui-ci le protège, mais c'est aussi le lieu de la sépulture de la dynastie
qu'il a choisi, un peu comme le Saint-Denis, si vous voulez, de cette dynastie normande. Alors, avant de parler de la basilique elle-même, j'aimerais resituer un peu cette dynastie normande dont Guillaume II, en fait, signe pratiquement la fin, et parler un peu de cette fabuleuse légende, fabuleuse geste, hein, qui a animé donc cette famille de Hauteville, hein, donc de ces Normands, qui ont réussi à conquérir un territoire assez étonnant. Alors, comme le disait Martin, ces Normands viennent de Normandie. Jusque-là, ça peut vous paraître normal. En fait, ils viennent de bien plus au nord, hein. C'était la plupart du temps, les Normands de Normandie provenaient essentiellement du Danemark. Et après avoir réalisé de très nombreux raids, de très nombreux pillages, saccages, donc pendant toute la période du IXe siècle en particulier, ils vont signer un accord, un de leurs chefs, le duc Rollon, va signer un accord en 911 avec Charles le Simple, qui leur donne un territoire qui va donc désormais s'appeler la Normandie. Alors le territoire est relativement peu important au moment de la signature du traité, à charge pour Rollon de se convertir à la religion chrétienne, ainsi que ses soldats, et puis à charge de le défendre contre les suivants, c'est-à-dire les autres Vikings, les autres Normands qui auraient envie, hein, éventuellement de venir aussi. Ça va très bien se passer et Rollon et ses successeurs vont en profiter pour augmenter leur territoire en Normandie jusqu'à couvrir ce que l'on appelle la Normandie aujourd'hui, hein, qui couvre donc tout ce quart nord-ouest de la France. Ces familles qui s'implantent vont donc donner de très nombreux soldats, la plupart du temps d'excellents cavaliers, mais on a aussi beaucoup de gens qui font la guerre à pied. Et vont se répartir, se lotir. Ils vont avoir ensuite, ces petits propriétaires, vont avoir des problèmes dans leurs héritages. Si je prends la famille de Hauteville, qui va nous intéresser au premier chef, en 1016-1020 à peu près, Tancrède de Hauteville, qui est donc le chef de cette famille, qui vit donc près de Hauteville-sur-Mer dans le Cotentin, a quand même 14 enfants, en deux femmes, je vous rassure, mais enfin 14 enfants, dont 12 fils. Il y en a un qui va hériter de la terre, et que va-t-on faire des 11 autres? Alors, il y en a un certain qui vont se mettre sous les ordres du duc pour aller continuer la conquête de la Normandie, qui n'est pas totalement achevée à cette période-là. On n'est pas encore dans la conquête de l'Angleterre, hein, qui n'aura lieu qu'en 1066, donc quelque chose comme 45 ans plus tard. Et un certain nombre d'autres, et ils ne seront pas les seuls, un certain nombre d'autres vont partir nez au vent, un peu à l'aventure. Et cette aventure normande va être absolument extraordinaire. Alors, ils vont partir, ils vont suivre des routes qui existaient déjà et qui sont la plupart du temps des routes du pèlerinage. La carte suivante, s'il vous plaît. Ce pèlerinage, à l'époque, c'est plutôt celui qui va à Rome et celui qui ensuite va partir essentiellement vers la Terre Sainte. Là encore, on n'est pas encore au moment des croisades, qui ne seront qu'à la toute fin du XIe siècle. Donc on est 50, 60, 70 ans avant. Mais on a déjà un tas de gens qui partent en pèlerinage à Jérusalem et qui passent par l'Italie du Sud, où se trouvent les ports qui permettent donc de naviguer, voyez, au-delà donc de l'Empire byzantin, jusque Jérusalem, jusqu'à la Terre Sainte. Ces pèlerins ont souvent besoin de protection. On va croiser un certain nombre de gens, tant sur les routes d'Europe, notamment les pirates sarrasins, c'est-à-dire les musulmans en fait. Et puis, on peut passer également sur des terres, parfois byzantines, et les Byzantins et les Occidentaux commencent à beaucoup moins s'aimer à partir de ce moment-là. Donc, la route est truffée de dangers. On a besoin de gens pour les protéger. Donc, beaucoup de ces cavaliers normands, beaucoup de ces cadets normands vont se retrouver accompagnateurs, si je puis dire, mais protecteurs également de ces pèlerins, accomplissant eux-mêmes leur pèlerinage. Alors, dans la famille de Hauteville, on va avoir Guillaume, on va avoir Onfroy, on va en avoir comme ça 4, 5 qui partent. Et certains vont bien jusqu'en Terre Sainte, d'autres s'arrêtent en Italie du Sud. Pourquoi? Bon, parce qu'il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire parce que là, on a un certain nombre de principautés qui appartiennent à deux grands pouvoirs qui se sont partagés l'Italie depuis
plusieurs décennies. D'une part, on va avoir des principautés byzantines, hein, donc ceux qui viennent de l'Empire romain d'Orient, et qui ont récupéré, à partir du VIe siècle, un certain nombre de territoires. De l'autre côté, on a des Lombards. Les Lombards qui sont descendus à partir du VIIe siècle d'Europe centrale et qui eux-mêmes ont récupéré un certain nombre de principautés, par exemple celle de Bénévent, pas très loin de Naples, un certain nombre d'autres, Melfi et autres, qui donc sont de petits territoires. Et les Lombards n'aiment pas les Byzantins, qui n'aiment pas les Lombards. Donc ils passent leur temps à se faire de la guerre et ils ont besoin de soldats. Alors, leur propre vivier de soldats est assez limité, donc ils récupèrent volontiers des mercenaires. Et donc nos Normands vont servir de mercenaires, à commencer par nos fameux Hautevilles, qui vont travailler hein, donc un jour pour les Lombards, puis les Byzantins viennent les voir en disant « on paye mieux », donc ils vont aller voir les Byzantins, et c'est comme ça que petit à petit ils deviennent incontournables, et que ces mercenaires normands ne vont plus travailler directement pour les Byzantins ou les Lombards, mais pour les Hautevilles, dont la puissance commence progressivement à augmenter. Elle va devenir absolument évidente donc dans les années 1050. D'abord parce qu'ils vont réussir à battre une armée coalisée contre eux, vous voyez qu'ils ont vraiment quand même pris beaucoup d'ampleur, qui est dirigée par, d'une part, les Byzantins, mais aussi par le pape. Le pape qui va être battu en 1053 et qui va être fait prisonnier par les Normands. Alors le pape se dit, il faut peut-être mieux les avoir comme amis que comme ennemis, et va donc passer un contrat avec eux, s'allier avec eux, et finalement les nommer donc duc de Pouille et Calabre, quelque chose qui en fait n'est pas exact, ils ont quelques territoires mais pas beaucoup mieux. Mais surtout, ils vont être le bras armé du pape, ce qui va leur faire avancer là aussi beaucoup dans la carrière. Et puis surtout, à partir de 1050, des années 1050, on a le cinquième frère qui arrive et qui s'appelle Robert Guiscard, dont parlait Martin tout à l'heure. Alors c'est le cinquième Hauteville qui arrive à cet endroit-là. Les frères au-dessus, notamment Onfroy, est assez peu content de le voir arriver parce que manifestement l'homme est assez puissant, est assez comment dire courageux et pourrait vouloir prendre le pouvoir à la place de son frère aîné, ce qu'il fera d'ailleurs par la suite. Et donc ils vont d'abord le faire batailler à droite et à gauche. Ils vont lui donner un château au fin fond de la Calabre en disant bah t'as qu'à t'occuper de la Calabre. Et Robert Guiscard s'en occupe très bien. Donc en 1059, il va récupérer le titre de duc de Pouille et de Calabre. Onfroy est mort en fait, hein, donc il peut très bien le récupérer. Et il va se lancer dans une conquête en grand, d'abord de l'Italie du Sud, parce qu'il reste encore un tas de petits territoires à combattre et à conquérir. Et d'autre part, il va commencer à les lorgner vers la Sicile. Alors la Sicile, il va faire lui-même quelques incursions, mais il va surtout déléguer un sixième frère, Roger, qui va être celui qui va donc conquérir cette Sicile. Ils y mettent le premier pas vers 1061, quelques incursions, sous prétexte d'être appelés à l'aide par un caïde. Alors la Sicile, à l'époque, c'est là encore un ensemble de principautés, mais de principautés musulmanes. Ce sont des petits émirs qui sont venus d'Afrique du Nord, en fait, et qui ont conquis d'abord la moitié de la Sicile, l'autre moitié est restée byzantine pendant très longtemps, et puis finalement l'ensemble de la péninsule, enfin de l'île, pardon. Mais ils se livrent à une compétition acharnée entre chaque principauté, là encore, et il y a beaucoup aussi de pirates, je vous en parlais tout à l'heure, qui partent des côtes siciliennes et qui embêtent bien nos Normands, notamment en Calabre. Donc Robert Guiscard expédie son frère sous prétexte qu'un des caïdes a demandé son aide pour battre les autres principautés. Et comme ils l'ont fait pour l'Italie, ils se battent d'abord pour quelqu'un, puis finalement ils se battent pour leur propre compte. Alors c'est une conquête qui va être longue. Vous voyez que on a les premières soumissions du côté nord-est vers 1062. Palerme tombe en 1072, donc 10 ans plus tard, mais la dernière cité, Noto, complètement au sud-est, ne sera prise qu'en 1091. Hein. Donc ça demande une trentaine d'années, c'est long, on sent que c'est laborieux, il ne faut pas imaginer non plus de très grandes batailles, ce sont des petites troupes, on est plutôt sur de la guérilla en fait, mais qui prouve toute la constance là encore
de ces Normands qui se taillent à partir de ce moment-là une principauté assez extraordinaire, tant donc en Italie du Sud qu'en Sicile. Alors, sauf qu'on a à cette époque-là, on va avoir deux dynasties. On a encore Robert Guiscard et ses descendants en Italie du Sud et Roger, qui va s'appeler Roger Ier, qui fonde donc la dynastie des Normands de Sicile. Roger meurt en 1101 et va laisser le trône donc à son fils, le trône ducal, hein, on s'entend. Il va donc juste être nommé duc de Sicile. Il va laisser ce trône ducal de Sicile à son fils Roger II. Roger II, il va mettre la dernière pierre à l'édifice hein, qui voyez, a été constamment mené par, il y a une véritable volonté à un certain moment d'établir un grand territoire donc sous le contrôle de ces Normands. Il ne manquait en fait qu'une seule chose, c'était le titre royal. Et c'est donc Roger II qui va récupérer ce titre royal. Alors il le fait en deux temps. D'abord, il récupère l'héritage de Pouille et Calabre, puisque l'héritage hein, de la dynastie issue de Robert Guiscard, qui sont des cousins en fait, hein, tombe en quenouille, si je puis m'exprimer ainsi. Donc en 1127, et il va réussir à récupérer le titre grâce d'ailleurs à l'appui de la papauté. Et puis ensuite, il va, donc malgré quelques troubles, hein, il va être obligé de refaire quelques conquêtes militaires, mais il réussira à bien asseoir son pouvoir. Et par ailleurs, il va donc devenir et réussir à se faire couronner par le pape. On est en 1130, se faire couronner par le pape. Alors c'est d'abord en 1130, puis en 1139, couronné dans la cathédrale de Palerme à la Martorana, donc en 1130, diapositive suivante s'il vous plaît. C'est le premier qui montre ce couronnement par le Christ. Vous voyez que Guillaume II ne fera que reprendre la thématique artistique qui a été inaugurée en fait par son grand-père. Alors le territoire hein, dirigé par cette dynastie des Hautevilles à partir donc de 1130 est vraiment important. C'est toute l'Italie du Sud ainsi que la Sicile. Quand on voit la carte, vous voyez que ça remonte jusqu'au pratiquement aux États pontificaux, jusqu'aux États pontificaux. On est à une cinquantaine de kilomètres de Rome pour la partie nord. C'est ce qui se restera à tout jamais ce royaume d'Italie du Sud et de Sicile, qui s'appellera de temps en temps royaume des deux Siciles, mais qui va garder hein, cette surface, cette superficie jusqu'en 1860, hormis quelques séparations de temps en temps. Hein, mais ce sont les Normands qui ont donné sa physionomie hein, politique, en tout cas, à l'Italie du Sud. Dès donc les années 1130-1140, c'est quand même quelque chose qui est à signaler vraiment de manière importante. Alors, Roger II, c'est l'apogée, mais c'est aussi l'amorce du déclin. En 1154, lorsqu'il meurt, tout semble aller bien. Il a un fils, qui est d'ailleurs qui est Guillaume Ier, qui a déjà pratiquement 30 ans, donc qui a même plus de 30 ans, donc est un adulte confirmé, qui a été associé au trône, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Le problème, c'est en fait Guillaume Ier lui-même, qui va recevoir un magnifique qualificatif, le mauvais. C'est quelqu'un qui est d'abord extrêmement autoritaire, qui vit un peu dans la luxure, qui donc a un très très mauvais caractère, est assez violent, donc qui va susciter très rapidement des troubles et des révoltes contre lui. L'une va carrément le retenir prisonnier dans son palais de Palerme. Va d'ailleurs, un de ses fils sera tué. Le peuple de Palerme va finalement reculer parce que trouver qu'il ne pouvait pas tuer le roi, c'était sacrilège, mais ça va entraîner une répression de la part de Guillaume Ier qui va mettre la Sicile en coupe réglée. Ces rois préfèrent hein, très nettement vivre en Sicile plutôt qu'en Italie du Sud à cette période-là. Alors, heureusement, entre guillemets, c'est un règne assez court et il lui succédera donc Guillaume II le Bon, notre roi qui va nous intéresser puisque c'est l'édificateur de la basilique et de la cathédrale de Monreale, qui va continuer à mener une politique très très ambitieuse, notamment en termes européens, de politique étrangère. Il va passer des alliances, il va donc notamment former le projet d'une grande alliance contre Byzance, avec l'envie, il y avait quelques Normands qui étaient partis tenter des conquêtes dans ce qui sera
Donc, sur la côte dalmate, donc dans la partie est de l'Empire byzantin, ça fera long feu puisque donc Guillaume II le Bon meurt, mais ça laisse au moins quelque chose qui sera très important pour la suite. Il a marié une de ses tantes, une cousine, enfin une demi-sœur en fait de son père, Constance de Hauteville, à Henri, fils de Frédéric Barberousse, empereur germanique. Ça, c'est important pour la suite, on en reparlera demain. Donc, puisque ça entraînera une succession germanique à cette dynastie normande qui s'éteindra assez rapidement après Guillaume II le Bon. Voilà pour le résumé de cet ensemble, de cette dynastie normande, qui est quand même une histoire assez rocambolesque au départ, mais qui a donné lieu à une des plus belles réussites politiques et militaires de l'époque. Pensez que au moment où donc Roger Ier était en train de conquérir la Sicile, Guillaume de Normandie, le duc Guillaume, était en train de conquérir l'Angleterre. Donc c'est quand même comment dire une dynastie, ce sont quand même des personnages qui ont la conquête dans le sang et qui vont réorganiser de manière très profonde la géostratégie, la géopolitique de l'Europe, donc dans ce 11e et 12e siècle. Alors maintenant, allons voir un peu cette construction de la cathédrale de Monréalais. Cathédrale, ça veut dire que c'est le siège d'un évêché. Effectivement, Guillaume le Bon a négocié avec la papauté le droit de finalement nommer un peu les évêques comme il voulait et de créer des évêchés à sa convenance. Donc, il va démultiplier le nombre d'évêchés, faire des tout petits diocèses, ce qui permettait d'avoir des évêques. L'Église, c'est quand même un pouvoir essentiel au Moyen-Âge, mais si les évêques ont peu de territoire, ont peu de fortune, ont plein de collègues qui sont en même temps des rivaux, ils n'embêteront pas le politique qui pourra donc garder sa prééminence sur la volonté de pouvoir temporel de l'Église. Monréalais, c'est aussi donc un monastère bénédictin, avec des moines qui sont là pour prier sans doute pour le roi, mais aussi pour la population complète. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, c'est aussi le lieu de la sépulture de la dynastie. Donc, quelque chose qui est véritablement fondateur pour Guillaume II. Les rois précédents ont déjà fait des fondations, la chapelle palatine à Palerme, la basilique de Céphalou de l'autre côté de Palerme. Bref, on a l'impression que chaque roi veut avoir sa grande fondation artistique et religieuse et artistique, de manière très très marquée. La basilique de Monréalais va d'ailleurs être construite assez rapidement, puisqu'elle est commencée sans doute en 1176. Elle va être consacrée assez vite, puisque on a une première consécration qui intervient en 1182. Alors, l'église n'était certainement pas terminée, elle sera terminée dans le courant du XIIIe siècle, mais ça veut dire qu'on pouvait déjà y réaliser des offices. Elle est terminée, d'après ce qu'on sait, complètement avec le monastère en 1267. Vous voyez, donc c'est finalement assez rapide, moins de 100 ans pour une église et un ensemble qui est relativement important quand on voit le plan. Regardez, vous avez donc dans la partie centrale la très grande basilique qui fait plus de 100 mètres de long et qui est entourée donc sur sa partie droite, donc qui est au nord de la basilique, par un grand cloître que vous apercevez, donc la diapositive, ainsi que des bâtiments qui sont des bâtiments monastiques, donc dans la partie supérieure, à côté donc du cœur de la basilique elle-même. Et puis de l'autre côté, un petit cloître, vous voyez, donc vous aviez une implantation au sol qui était vraiment très imposante. Et enfin, comme une grande cour, une sorte d'atrium devant la basilique elle-même, qui était une pratique assez courante encore jusqu'au Moyen-Âge, donc dans les églises, comme ça permettait de faire une espèce de sas avant d'accéder à l'espace sacré, proprement dit. Alors, si l'on regarde cette basilique sur son long côté, on se rend compte déjà de sa taille. Elle fait donc pratiquement 100 mètres de long, 102 mètres très exactement de long, sur 40 mètres de large. C'est vraiment un très très grand édifice. Et donc, à une période où on se situe plutôt à la fin
de la période romane, un style qui a couvert une grande partie de l'Europe, mais qui a côtoyé ici en Italie du Sud et en Sicile un certain nombre d'autres traditions architecturales, ce dont on se rend bien compte quand on voit la coupole qui se trouve donc sur la croisée, quand on voit l'ensemble extrêmement massif que l'on a de l'autre côté. Donc, qui correspond donc à cette partie de l'entrée hein, de l'église, qui montre bah, que l'on a été voir aussi dans le roman d'Italie du Nord, mais aussi le roman d'Italie du Sud, dans l'architecture byzantine, hein, notamment avec cette coupole très élevée, hein, qui est assez caractéristique de ce que l'on a dans les églises byzantines. Un mélange des différents styles, assez caractéristique de ce qui se passe en Sicile depuis le XIe siècle et dont cette basilique de Monreale est un des grands exemples que l'on va voir à différents endroits. On le voit par exemple extrêmement bien sur le chevet. Le chevet, c'est la partie qui est à l'extérieur hein, de l'abside. Vous voyez donc cette partie donc en hémicycle, abside principale, cantonnée de deux absides latérales, et admirer quand même le côté absolument fantastique du décor. Décor qui est fait donc avec différentes pierres de différentes couleurs qui donc multiplient les motifs végétaux, les motifs aussi purement géométriques, mais avec une espèce d'exubérance qu'on a rarement dans le gothique, dans le roman, pardon, par exemple en France, hein, où on est plutôt dans quelque chose de plus austère en règle générale, et qui montre ici une exubérance très liée donc à la tradition byzantine qui aime beaucoup décorer ses édifices, mais aussi très certainement à la tradition musulmane. On le voit donc notamment quand on regarde le détail de ce chevet, on le voit très très bien dans les arcs hein, que l'on voit, regardez ici, qui sont des arcs très très élevés, pointus, qui rappellent les arcs outrepassés de l'architecture musulmane. Ils en avaient des exemples hein, qui étaient restés donc en Sicile, qui avait été occupée quand même plus de 100 ans hein, par ces musulmans, donc ça a laissé quelques traces et ça a été parfaitement intégré hein, donc avec une espèce de fusion des différents styles pour donner quelque chose de bien précis qui est cette architecture normande de Sicile. Alors maintenant, on va rentrer dans cette église et là, on va, avant de rentrer, on va passer par la porte. Porte principale qui a été réalisée, elle, en Italie centrale. Elle vient de Pise. Elle a été faite par un artiste qui a eu la bonne idée de signer, qui s'appelle Bonanno Pisano, donc qui vient de Pise. Et on sait que ces portes arrivent en 1186, c'est-à-dire que pratiquement au moment de la consécration, un peu après la consécration de l'église. Elles sont faites de 42 panneaux de bronze, dont vous apercevez hein, des détails sur la partie gauche de la porte, avec des scènes de l'Ancien Testament. On a le meurtre d'Abel par Caïn, pardon, et puis l'arche de Noé est en train de se remplir, par exemple, qui sont des panneaux donc qui ont été faits en bronze martelé, qui sont posés sur une âme de bois. On a les petites fleurs qui cachent d'ailleurs les grands clous qui permettent de tenir ces éléments de bronze sur le bois, mais qui correspond à un travail assez extraordinaire. Donc, dans ces années, je vous le disais, 1186, et donc encore de manière relativement précoce. Hein, il y avait une grande tradition de ces portes qui venaient au départ de l'Empire byzantin. On en a d'ailleurs quelques-unes en Italie du Sud. Et puis, la tradition a été reprise hein, par des ateliers en Italie centrale. Donc, on voit bien hein, ces circulations d'influence qui se font et dont la Sicile représente un des cœurs hein, donc, où on mélange et on associe ces différentes traditions de manière très évidente. Alors, passons la porte et entrons donc dans l'église. Église, alors là, on peut avoir qu'un cri d'émerveillement quand on pénètre dans cette cathédrale de Monreale. D'abord, par ses proportions assez impressionnantes. Ensuite, par ce mélange, là encore, des styles. Vous avez une église qui a un plan qu'on appelle un plan basilical, qui est un plan alors typiquement occidental. Vous voyez donc ce grand vaisseau à trois nefs, séparées par des colonnes, colonnes qui portent de hauts murs avec de grandes fenêtres et qui donc vont accentuer le côté très allongé hein, de l'édifice. Et puis,
Au contraire, la partie du chœur avec ses absides, mais qui chante littéralement hein, sous l'or des mosaïques hein, et qui crée une atmosphère. Alors là, on se croirait à Byzance pratiquement, alors que, bah, vous voyez, donc là encore, on trouve cette association des deux éléments de manière, très marquée. Alors, si l'on s'avance progressivement vers le chœur, on va voir justement hein, ce jeu des mosaïques. Figurez-vous que Monréalais, on estime que l'on a entre 6 et 10 000 mètres carrés de mosaïques hein, sur l'ensemble des murs qui couvrent donc tous les murs hein, de la cathédrale, que ce soit l'abside, que ce soit les transepts, c'est-à-dire les parties latérales entre le chœur hein, et la nef, ainsi que les absides donc latérales, ainsi que tous les murs des nefs centrales et latérales, et enfin ce qu'on appelle la contrefaçade, c'est-à-dire le mur de retour vers l'intérieur de l'église, le mur d'entrée. Donc, entre 6 et 10 000 mètres carrés de mosaïque, c'est l'une des surfaces les plus importantes que l'on ait dans l'ensemble hein, du monde donc chrétien de couverture de mosaïque, plus encore que la basilique Saint-Marc à Venise. Donc, vous voyez quelque chose qui est vraiment extrêmement impressionnant. Alors, les Normands, qui avec bon goût connaissaient donc ceux qui étaient capables de faire ça, ce sont des artistes byzantins, et ce sont très certainement des artistes byzantins qui ont été appelés à différentes reprises et qui sont venus donc réaliser les mosaïques donc des différentes églises de Sicile, notamment celles de Monréale, qui sont parmi les plus tardives. On est dans la deuxième moitié du XIIe siècle, donc le style est à maturité, les équipes se connaissent bien et vont donc réaliser des chefs-d'œuvre assez extraordinaires. Commençons par le chœur, à proprement parler. Dans les églises orthodoxes, il y a un ordre relativement précis dans la façon dont on installe les thèmes hein, dans l'église. Donc, sur l'abside principale, sur la coupole, alors ici à l'intérieur, il n'y a pas de coupole, on ne la voit qu'à l'extérieur. À l'intérieur, il n'y en a pas. On va présenter les personnages les plus importants hein, donc dans le monde divin. En l'occurrence, ici, le Christ dans l'abside, dans la grande abside, le cul-de-four de l'abside centrale, dans la partie haute, un grand Christ bénissant. Vous voyez qu'il a les trois doigts hein, de la bénédiction, à l'orthodoxe d'ailleurs, qui donc domine de toute sa présence et protège, hein, là encore, l'ensemble de l'édifice. En dessous de lui, vous apercevez la Vierge à l'enfant, avec entourée d'archanges et des apôtres. Et puis, en dessous, des saints, qui sont les saints vénérés dans la chrétienté et à Monréale en particulier. Si l'on recule un peu, autour de la, donc dans les absides secondaires, on va avoir, dans le transept, on va avoir des scènes qui sont intéressantes, d'une part le Christ, donc un certain nombre de scènes de la vie du Christ, c'est ce que vous avez donc sur la diapositive à droite, par exemple. Et puis, on va avoir, par ailleurs, donc dans les absides, des scènes de la vie de Saint-Pierre, Saint-Paul. Ce sont les fondateurs de l'Église. Hein, donc, à juste titre, ils sont positionnés très dans la zone la plus sacrée, là encore, de l'édifice. Quant à la nef, elle va porter tout un tas de scènes de l'Ancien Testament dans une véritable progression hein, chronologique. Scènes, vous voyez, sur les petits côtés, les bas côtés, donc dans les nefs secondaires, et puis dans la nef principale, sur deux registres, sur deux niveaux, où l'on va avoir tout un tas de scènes très variées. On va raconter, par exemple, toute la vie de Noé, toute l'histoire entre Abraham et Jacob, suivante, s'il vous plaît. J'ai l'impression, en plus, que les artistes ont véritablement travaillé à une composition en continu. Regardez l'arche, on a l'impression que la mer couvre différentes arcades avant de pouvoir débarquer, tout comme hein, l'espèce de continuité de paysage que l'on a sur toutes les histoires d'Abraham jusqu'à Jacob, hein, donc avec la lutte de Jacob et l'ange sur la partie droite. Donc, un travail assez sophistiqué de cette mosaïque qui
quand on regarde un détail, montre une finesse hein, dans les tesselles, ces petits cubes, hein, alors qu'ils sont des cubes de pierre, qui sont des cubes de pâte de verre aussi. Hein, souvent, quand on n'a pas les couleurs, c'est plus facile, que l'on donc plante dans un mortier et qui va réagir à la lumière, surtout quand il porte des feuilles d'or à l'intérieur de ces petites tesselles de verre blanc, de verre presque transparent, et qui permettent donc, grâce à ça, de renvoyer la lumière de manière assez splendide. Alors ça, c'est véritablement le grand trésor de la basilique de Monréalais. Mais il y a un certain nombre d'autres éléments qu'il ne faut pas manquer d'y voir non plus. D'abord, côté historique, je vous disais tout à l'heure, c'était une nécropole, enfin ça avait été conçu pour être une nécropole royale. Donc un certain nombre de rois normands y sont enterrés, à commencer par Guillaume Ier, le fameux Mauvais, hein, dont je vous parlais tout à l'heure, qui avait été enterré à Palerme et dont on a transféré le corps ici en 1185 dans ce magnifique sarcophage en porphyre, hein, une pierre qui est très dure et très précieuse. Et puis, donc, il y a son épouse, son fils, tués lors de la révolte, qui ont été enterrés également à Monréalais. La revanche a été complètement repris et refait donc en 1575, donc il est de style Renaissance et plus du tout de style normand. Alors, ils ont été tous placés dans le transept sud dorénavant, puisqu'ils étaient installés à différents endroits de la basilique. Et puis, on a un autre monument funéraire plus étonnant, donc lui aussi a été déménagé à différentes reprises, et qui est le monument des viscères de Saint-Louis. Et il a fallu rapatrier son corps. Alors, on a fait quelques opérations pour pouvoir le conserver. Donc, on a séparé, donc on a enlevé les viscères. D'une part, on l'a un peu bouilli quand même pour que ça puisse se conserver. Et on a transféré tout cela en bateau. Donc, en arrivant en Sicile, son fils Philippe III le Hardi a réussi à négocier en fait avec la monarchie en place et qui était donc les qui on était juste à la, à la, à la au début des enfin à la fin des Angevins en Sicile. On y reviendra sans doute plus tard, qui donc ont consenti à garder le monument des viscères donc dans la basilique de Monréalais. Alors il y est resté fort longtemps, puisqu'il y est resté jusqu'en 1860. Ce que vous voyez, c'est le monument qui a été réalisé au XVIe siècle, hein, qui a été refait au XVIe siècle lorsqu'on l'a déménagé dans l'église. Et puis en 1860, le roi de Sicile, des deux Siciles, est parti, en fait, avec les viscères de Saint-Louis, c'était son ancêtre. Et ensuite, ça a été transféré à Carthage, puis enfin à la basilique, à la cathédrale Saint-Louis de Versailles, en 2011. Hein, donc maintenant, les viscères de Saint-Louis, après avoir connu quand même pas mal de pérégrinations, sont installés dans la cathédrale de Versailles. Mais il reste ce monument en guise de cénotaphe, hein, de souvenir du lieu de sépulture, du premier lieu de sépulture de ces viscères. Autre élément très très important, je vous le disais aussi, Monréalais, c'est aussi un monastère. Alors, il reste le grand cloître, qui avec beaucoup de, enfin, de 228 colonnes, hein, colonnettes groupées par deux, qui tiennent donc les quatre galeries, hein, avec sur chaque côté 26 arcades, hein, donc c'est quand même relativement important. Ça fait 47 mètres de côté, hein, donc c'est vraiment un grand, grand cloître pour une communauté de bénédictins qui est restée très longtemps et qui pouvait s'y promener, déambuler à travers donc des colonnes qui sont toutes différentes, avec certaines sont torsadées, d'autres sont avec des décors de mosaïques, hein, de tesselles qui sont incrustées dedans, ou éventuellement aller se laver ou se reposer à côté de la fontaine voulue par Guillaume II, hein, qui occupe un des coins, hein, de ce cloître. Alors, ce qui fait la fortune de ce cloître, bien sûr, ce sont les chapiteaux. Des chapiteaux qui sont sculptés dans du marbre de Paros, sans doute d'ailleurs des choses qui ont été réutilisées de monuments antiques, où on récupérait les pierres et on les a sculptées en chapiteaux, et qui sont
Alors, pas tous sculptés avec des figures, il y en a un certain nombre qui portent des motifs qui sont des motifs purement végétaux, mais un certain nombre qui vont rapporter des scènes, alors des scènes religieuses. Regardez à droite, Adam et Ève, hein, tout nus sur leur support végétal, ou alors au milieu, donc on a l'adoration des mages sur ce double chapiteau hein, qui occupe donc tout l'ensemble. Donc des deux corbeilles, mais on va avoir aussi des scènes qui sont des scènes plus contemporaines. Regardez nos soldats normands hein, sur le chapiteau de droite hein, qui évoque cette fameuse conquête dont je vous parlais. Et là encore, Guillaume II a dû imposer un chapiteau avec une thématique particulière, puisque l'on y retrouve, là encore, le roi en train de donner, donc de présenter la cathédrale et le cloître de Monréalais à la Vierge, comme le montre la diapositive suivante, avec donc dans le même registre que la mosaïque que l'on avait vue au départ, et qui montre bien hein, donc que cette basilique de Monréalais, qui donc a été véritablement voulu par une volonté royale qui montre la toute puissance hein, de cette dynastie. Alors peut-être aussi son chant du cygne puisque la dynastie va s'éteindre très très peu de temps auparavant, mais qui montre aussi le niveau auquel de réflexion et politique et de lien hein, entre la politique et le religieux qu'avaient voulu hein, ces monarques donc dans une volonté de puissance et de magnificence artistique dont le Christ pantocrator, le Christ bénissant de l'abside hein, nous le montre à tout jamais donc à voir absolument comme on dit dans les guides mérite le détour. Merci Charlotte de nous avoir fait voyager et donc emmener à Montréalais. Je me permets aussi de présenter à nos internautes nos excuses les plus sincères et les plus plates. J'étais en introduction, je vantais notre ligne éditoriale qui est celle du direct et j'établissais un parallèle entre le discours que nous construisons au fil de ces conférences, entre le discours entre vous et les internautes et ce qui se passe en voyage où donc les programmes sont conçus pour embrasser les problématiques. Et ils sont merveilleusement servis par vous, par vos collègues, guides, accompagnateurs, au fil d'un discours qui structure les visites. Et somme toute, c'est bon pour notre humilité, et la mienne en premier lieu. La technique nous a joué des tours et le son n'a pas toujours été bon. Il y a de gros problèmes de réseau. YouTube nous a joué un tour de cochon. Néanmoins, nous avons enfin, j'invite quand même nos internautes, s'ils nous font preuve de longanimité, à nous rester fidèles au cycle de nos causeries, que nous poursuivrons évidemment demain, nous y reviendrons. Et je les invite à poser des questions. Je les invite à continuer d'aimer, donc de cliquer sur le pouce, pour que nous soyons de plus en plus référencés, que nous ayons de plus en plus d'audience, et nous venger des facéties YouTube. Et dans un premier temps, nous allons examiner les questions. Donc, nous avons une question un internaute qui nous demande comment s'éteint la dynastie des Hauteville. Je me permets de prendre un instant la parole. Les Hauteville, donc, enfin, ça se termine mal, pour dire les choses comme elles sont. Après, il y a un certain neveu de Guillaume II qui va entrer en conflit avec celle dont vous avez parlé, Constance. Et bon, ce Tancrède est défait. Et le dernier rejeton de cette famille, cette dynastie Hauteville, a un enfant plus ou moins légitime qu'on va aveugler, c'est dans la grande tradition byzantine, il n'y a pas que l'influence de l'or et des mosaïques. Et puis il va finir tristement ses jours quelque part sur les bords du Rhin. Après, c'est donc les empereurs germaniques qui vont régner sur cette Sicile. Nous en croisons un demain, puis ça va mal se passer avec le pape. Puis ça va être un neveu de Saint-Louis, Charles d'Anjou, ça va encore mal se passer. L'épisode des Vêpres siciliennes. Les Aragons vont arriver, puis les Habsbourg et les Bourbons qui sont là, donc jusqu'en 1860. Mais voilà, disons qu'en Sicile, l'histoire est souvent haute en couleurs et parfois violente. Je ne sais pas si vous voulez
Donc, j'ai Oui, monopolisé. j'ai pas grand-chose à rajouter. Effectivement, ça se passe souvent mal, et c'est souvent avec des épisodes parfois extrêmement violents, comme vous l'avez dit. Donc, avec ce petit Guillaume III, avec ses vêpres siciliennes, ça n'est jamais de tout repos. Alors, à la décharge des Siciliens, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui sont passés quand même en Sicile, hein, très clairement. Donc, parfois, un mouvement de rébellion quand la tutelle se fait trop forte. Par ailleurs, une autre question, un internaute nous demande pourquoi l'édifice ne comporte-t-il pas de voûte? Alors, un internaute observateur, parce qu'effectivement, quand on a vu la nef, hein, de cette basilique, on entreapercevait effectivement la charpente. Alors, une voûte, c'est pas obligatoire dans une église, surtout quand elle a cette taille-là. Elle est vraiment très, très imposante. Elle est, je vous le disais tout à l'heure, 40 mètres de largeur. Donc, quand bien même on coupe par des nefs latérales en mettant des murs intermédiaires, il reste quand même plus de 20 mètres, 25 mètres d'amplitude entre, donc, sur la nef centrale. Donc, c'est trop important pour faire une voûte de pierre à cette époque-là. C'est trop compliqué encore, surtout que l'on envisageait un bâtiment de grande hauteur. Donc, la charpente est plus simple, tout simplement parce que les poussées se réalisent de manière verticale et horizontale. Donc, il n'y a pas de poussée latérale qui risquerait de mettre en danger la stabilité de l'édifice. Ça a un deuxième avantage, c'est que comme ces poussées latérales sont très, enfin, ces poussées latérales n'existent pas, on n'a pas besoin d'avoir de murs très épais. En revanche, on peut mettre des murs sur une grande hauteur avec des ouvertures. Donc, c'est une église qui est un peu plus claire parce que vous avez plus de fenêtres et ça laisse le reste, l'ensemble de la du mur ouvert à la décoration par mosaïque. Ce qui va permettre de refléter, là encore, par le jeu de lumière, tout le scintillement des orbes. Merci Charlotte. Et autre question d'internaute, quelles sont les relations entre les Normands et les Arabes? Alors, effectivement, quand les Normands arrivent en Sicile, il y a des Arabes, des musulmans qui sont là depuis plusieurs décennies déjà. Pendant longtemps, la Sicile était coupée en deux, hein, entre moitié Byzance, moitié musulman. Et puis, je vous disais, les musulmans ont réussi à petit à petit grignoter, je dirais, l'ensemble de l'île. Alors, quand les Normands arrivent, ils font pas une guerre sainte, hein. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir la Sicile, d'avoir du butin, mais pas forcément de mettre à bas, hein, donc ces Arabes. Ils ne vont pas obliger à la conversion. Ils vont dominer, ils vont imposer d'ailleurs un certain nombre d'impôts supplémentaires, mais ils vont en revanche intégrer une grosse partie de la culture musulmane, de la culture arabe, comme on dit, que ce soit dans le domaine intellectuel et dans le domaine artistique. Donc pour faire quelque chose qui est assez mixte, d'ailleurs les Byzantins aussi, les communautés juives vont être aussi tout à fait acceptées, bref. On aura quelque chose qui va donner une acculturation et en même temps une culture assez exceptionnelle où l'on aura des textes arabes, où on aura des intellectuels arabes qui viendront à la cour de Roger II en particulier. Hein, je pense à Ali Dressi qui fait des cartes de géographie pour, hein, le roi normand. Je pense donc à ces architectures ou à ces palais que se faisaient ces rois normands. Guillaume Ier, Guillaume II se font des petits palais avec des jardins, avec de multiples bassins, un peu à la manière, hein, des palais arabes. Bref, ils vont intégrer une bonne partie de cette culture dans leur pratique. Ils vont même avoir des ministres qui s'appelleront des émirs. Enfin, vous voyez, donc on est quand même dans quelque chose qui est assez, alors je dirais pas souple, il ne faut pas exagérer non plus, mais qui est assez, on a une véritable volonté de fusionner les communautés. Merci Charlotte. Effectivement, ils viennent de loin, ces Normands qui étaient décrits au début, si j'ose dire, de leur aventure. Je pense à une source qui est absolument unique pour les historiens. C'est la description que Anne Comnène, fille de l'empereur byzantin Alexis, fait de Robert Guiscard. Donc, elle décrit un homme impressionnant, avec un beau regard bleu, mais somme toute, c'est un paysan du Danube. C'est un rustaud de campagne, ou à peu près. Et on s'aperçoit qu'ils ont fait bien du chemin.
demain. Et bon, je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Je vais faire une transition avec votre intervention, votre conférence de demain. Donc, ces Normands qui sont presque l'honnête homme du Moyen-Âge. Enfin, on associe toujours l'honnête homme au XVIIe siècle, mais somme toute, par leur culture, l'influence byzantine qu'ils ont bien assimilée et l'influence de l'Orient en général, ils ont réussi à être un vecteur de cette culture qui nous a été transmise, qui n'a pas été perdue en Occident, cet Occident qui a accusé un certain retard. Et, je veux dire, le descendant de ces honnêtes hommes, donc voilà ma transition, c'est en quelque sorte celui qu'on appelait Stupor Mundi, la merveille du monde, l'empereur germanique Frédéric II, que nous trouverons demain à vos côtés, à la même heure. Donc, Charlotte, nous donnons rendez-vous pour parler demain de Castel del Monte. Je souhaite, en dépit des aléas techniques que vous avez dû subir, chers internautes, je vous souhaite une bonne journée. Merci pour votre fidélité et à demain. À demain.